J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier l'École des Chartes de son invitation, son directeur et ma collègue Christine Nougaret tout particulièrement. Nous partageons avec Christine Nougaret et quelques autres, heureusement, une passion commune pour les égodocuments. C'est un terme un petit peu barbare, mais très pratique pour la communication internationale des chercheurs, puisqu'on peut le dire dans toutes les langues, qui regroupe des textes assez largement autobiographiques, mémoires, autobiographies, journaux personnels, livres de raison et correspondances, bien sûr. C'est un matériau archivistique qui est exploité, bien sûr, depuis longtemps, mais je dirais plus récemment repensé, qui est repensé dans son potentiel heuristique. Ces lignes de vie, comme les appelait Georges Gusdorff, apparaissent de plus en plus comme un réservoir inépuisable, pas seulement pour des anecdotes, pour trouver la bonne citation ou pour des trajectoires qui resteraient toujours particulières, mais aussi pour mettre à l'épreuve des cadres explicatifs généraux, des représentations et des stéréotypes. C'est du moins ce que j'aimerais essayer d'illustrer ce soir, pas sous la forme d'un exposé théorique de haut vol, mais en butinant en quelque sorte, et de façon très impressionniste, dans l'image de la Suisse alpestre, dans une sorte de retour aux origines, et dans une dizaine d'écrits personnels qui contestent, ou pour le moins nuancent, cette image de sa proverbiale sédentarité. La Suisse n'est pas le seul pays traversé par les Alpes, loin s'en faut. Ce n'est pas davantage, au temps moderne, un pays dont on pourrait dire qu'il est en retard sur les développements économiques européens. La Suisse fait, au contraire, partie des premiers pays industrialisés d'Europe. L'industrialisation, pas au sens où on l'entend au XXIe siècle, ni même au XIXe, mais au sens de proto-industrialisation, donc reposant sur le travail à domicile et dans quelques manufactures, cette industrialisation y a commencé avant de s'étendre à la construction de machines, aux produits alimentaires, songeons au chocolat, comme en Angleterre avec la production textile. Celle-ci occupe, à la fin du XVIIIe siècle, des dizaines de milliers de personnes. Entrepreneurs et ouvriers, hommes, femmes et enfants. En 1790, la Suisse est le deuxième producteur de toile en coton en Europe, derrière l'Angleterre. Néanmoins, donc, malgré son industrialisation précoce et malgré le fait qu'elle ne soit pas le seul pays alpin, la Suisse est le pays qui a le plus intimement lié les Alpes à son image. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, et on peut se demander pourquoi. Un petit détour par cette image permet d'introduire le paradoxe entre la représentation classique de la Suisse, une représentation qui est d'ailleurs nourrie par les Suisses eux-mêmes, et ce qu'en disent les égodocuments qu'ils ont laissés. Le scripteur que vous voyez représenté ici a fait son autoportrait aux alentours de 1800 dans son journal personnel et il s'appelle Martin Obersteg. Martin Obersteg est né en Suisse centrale à Stans, dans le canton de Nidwalden, d'une famille de 10 enfants. L'un de ses frères, Franz Josef, a fait un apprentissage d'orfèvre de 5 ans à Augsbourg et à Munich avant d'exercer le métier à Stans. Deux autres, Anton et Félix Lucas, sont partis au service étranger pour la couronne d'Espagne. Ils mourront de la peste à Catagne en 1804, à tout juste 25 ans. Martin Obersteg lui-même est peintre, comme son père et comme son grand-père. Il a appris son métier pendant 5 ans à Besançon, où il a rejoint d'ailleurs le plus important peintre de Nidwalden de l'époque, Johann Melchior Wirsch. C'est à cette époque, nous dit sa biographe, Maria Odormat Lucy, que le jeune homme se fait appeler
avec cette toute petite pointe d'accent français qu'il fallait, Martin Obersteg d'Eggenbourg, du nom d'une ancienne famille seigneuriale de Nidwalden, qui du reste était alors éteinte depuis bien longtemps. À l'âge de 20 ans, Obersteg quitte Besançon pour Munich, où il est engagé comme peintre-décorateur royal. Il revient en Suisse, à Stans, à près de 40 ans, en 1798, donc à peu près à cette époque, à la demande de son père. Rien de tout cela, vous en conviendrez, n'est perceptible sur cette image. Obersteg s'est immortalisé sur fond de lac, celui des quatre cantons, et de montagne, dans un décor domestique dont toute référence à l'étranger est bannie. Ce scripteur, issu du berceau légendaire de la Suisse centrale, qui s'y représente dans un décor paysan avec pour ligne d'horizon les Alpes, mais qui a passé la plus grande partie de sa vie à l'étranger et qui plus est dans des cours de monarques, a une valeur emblématique pour mon propos. Il incarne à la fois la mobilité et l'expérience étrangère méconnue des Suisses et une image de la Suisse alpestre qui se construit précisément à son époque, au XVIIIe siècle. Et je me concentrerai plus particulièrement sur cette époque-là dans les propos qui vont suivre. Donc, pour revenir à l'image de la Suisse, divers travaux d'historiens suisses, je pense en particulier à ceux d'Ulrich Imhof ou à ceux de Guy Marshall, ont montré que la place des Alpes dépassait largement dans l'imaginaire collectif leur signification réelle. Comment l'expliquer? Alors, il y a à cela deux explications principales. La première est d'ordre interne, dirons-nous. C'est la difficulté en Suisse de construire ou de bricoler, comme dirait Guy Marshall, une imagerie nationale dans un pays qui ne forme pas une communauté de langue, ni une communauté ayant une religion commune, et qui peut encore moins, troisième élément, remonter à une ethnie, à une origine ethnique commune. Au fond, pour le dire en d'autres termes et un peu abruptement, il n'y aurait guère d'alternative possible aux Alpes. La seconde explication, elle est d'ordre externe, c'est l'engouement que le monde alpestre helvétique a suscité en tant qu'utopie politique auprès des élites européennes éclairées. Un engouement qu'on a appelé en allemand « Philhelvetismus » ou « Schweizbegeisterung », une mythification de la montagne et de ses habitants qui a fait de la Suisse, et surtout du voyage en Suisse, une étape incontournable à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Gloire au chaste pays que le Léman arrose. Gloire au chaste pays que le Léman arrose. À l'ombre de Melchtal, à l'ombre du Mont Rose, la Suisse tresse sa vache et vit paisiblement, sa blanche liberté s'adosse au firmament. On remarquera au passage que ces Alexandrins de Victor Hugo, dont le troisième a fait tout particulièrement fortune, lient indissociablement les Alpes et l'histoire. Ce n'est nullement un trait hugolien. Cette combinaison est caractéristique de l'imagerie nationale helvétique, celle que diffuse, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, une société de pensée importante en Suisse, la société helvétique, qui réunit l'élite éclairée du pays. Si la Suisse est par essence alpestre, ses Alpes sont chargées d'histoire. Et la seule histoire susceptible d'offrir un point de convergence aux Suisses,
qui sont religieusement et culturellement divisées depuis la réforme protestante, remontaient au Moyen Âge, avec Arnold von Melchthal, l'un des signataires du pacte dit du Rütli, au centre de la légende de libération des Suisses du joug des Habsbourg. Avec toute l'ironie que l'on peut supposer à Hugo dans ses Alexandrins, le propos de l'auteur n'en est pas moins documenté. Alors il faut savoir que Hugo a fait non moins de 5 voyages en Suisse, 2 d'ailleurs qui étaient des voyages de repos vers la fin de sa vie, et qu'il a laissé des notes de voyage particulièrement étoffées pour l'un de ses périples, sans doute celui qui l'a le plus inspiré, un périple de 18 jours en septembre 1839. Des notes de voyage qui ont été publiées par Pierre-Olivier Walzer. Elles nous apprennent que Victor Hugo et Juliette Drouet sont arrivés en Suisse par Bâle le 6 septembre, d'où ils ont continué sur Zurich le 8, Lucerne le 10. Ils font le tour du lac et l'ascension du Rigi. Ils vont ensuite à Thun et à Berne du 17 au 19 septembre. Puis c'est au tour de Fribourg et Bulle le 19. Ils passent par Vevey le 20, Chillon le 21 et Lausanne le 22 pour arriver à Genève le 23, d'où ils repartent sur Paris. Quand je dis que Victor Hugo était bien documenté, c'est qu'il a voyagé avec le fameux guide du voyageur en Suisse de Johann Gottfried Ebel sous le bras et bien d'autres guides encore. Il a lu aussi les lettres de Cox sur la Suisse, traduite et augmentée par Ramon de Carbonnière, qui en a fait, comme l'a montré Claude Reichler, un manifeste de la littérature alpestre, un livre phare pour les lecteurs et les voyageurs romantiques. Ainsi, les journaux de voyage de Hugo, qui exaltent la grandeur des paysages alpestres, résument toute la mythologie relative aux bons Suisses, bons alpicoles, qui trouvent un enviable bonheur dans la simplicité des mœurs, et la liberté des institutions. Cette image mythique ne s'est pas seulement nourrie de productions littéraires, de Albert de Haller, avec son fameux poème sur les Alpes, à Carl Victor von Bonstetten, et sa lettre tout aussi fameuse sur un peuple de bergers, en passant par Rousseau et la Nouvelle Héloïse. Cette image mythique a aussi été alimentée par ce qu'on pourrait appeler des expériences sensibles. Une expérience sensible, une expérience musicale renommée, renvoie au fameux Ranz des Vaches, le coup raillé en allemand, qu'on écoute dans la haute société européenne. Une mélodie qui était chantée sur les pâturages pour faire rentrer justement en fil les vaches et aussi pour les tranquilliser pendant qu'on les trayait. Une mélodie qui a inspiré des compositeurs qui souhaitaient donner une touche pastorale à leur œuvre. Et puis, à côté du Ranz des Vaches, il y a le Singspiel, un genre lyrique allemand proche de l'opérette qui alterne les dialogues parlés ou chantés. On sait que Goethe, par exemple, a rédigé, à l'issue de son deuxième voyage en Suisse, en 1779, un Singspiel, qui est vraisemblablement situé dans le canton d'Uri. Un Singspiel qui s'appelle Jeri und Bertli, dans lequel une jeune bergère un peu sauvage se transforme en une femme aimante. Le plus célèbre Singspiel demeure Die Schweizer Familie, mis en œuvre en 1809 par Josef Weigel sur un livret d'Ignaz Franz Castelli. Que raconte la famille suisse ? Elle met en scène la vraie reconstitution d'un village suisse par un noble allemand. Un noble allemand qui, après avoir pris une famille suisse sous sa protection, a constaté qu'elle ne pouvait survivre à l'éloignement sans son ancrage local. Le Singspiel de Caroline von Ecke
Le Singspiel de Caroline Louise von Klenk, intitulé Der ehrliche Schweizer, l'honnête Suisse, dont vous voyez ici la page de titre, écrit en 1776 et qu'on dit avoir été joué non moins de 27 fois à Berlin, a ceci d'intéressant que son héros principal, celui qu'elle désigne dans sa préface comme un Alpenbiedermann, donc un homme d'honneur des Alpes, n'est ni un berger ni un paysan. Peut-être les voyez-vous sur cette image, de façon un peu discrète, sur cette gravure de Kodowiecki. Il s'agit d'un soldat de la garde suisse enfermé plusieurs semaines à la prison de Bicêtre avant d'être envoyé aux galères pour complicité de meurtre. En fait, il s'avérera que, loin d'être coupable de meurtre, ce Suisse a tué le nom du principal coupable qui avait été impliqué malgré lui dans une rixe. C'est l'un des ressorts dramatiques du Singspiel à côté d'une histoire d'amour. Alors que le vrai Suisse ne soit pas un montagnard, mais un mercenaire, me semble une intéressante, quoique vraisemblablement non intentionnelle, tentative de rapprocher cette figure d'une réalité sociale déjà bien connue à l'époque et en contradiction avec l'idylle alpestre, le grand nombre de Suisses impliqués dans le nomadisme militaire, pour reprendre une formule de Nicolas Bouvier. Bouvier qui ajoutait d'ailleurs qu'il nous valut 2 millions de tombes éparses aux quatre coins du continent. Ceci dit, cette illustration du nomadisme militaire sert chez von Klenk à la démonstration du modèle moral qu'incarne la Suisse en question. Il rejoint ainsi le discours sur la simplicité vertueuse helvétique. Une autre expérience encore plus sensorielle qui a amené des centaines d'étrangers en Suisse était la cure de Bonaire, la cure thermale aux eaux alpines, et aussi, mais oui, la cure de Petit-Lait. Vous voyez ici représenter une figure centrale de ces pratiques, le Schottensepp, ou Joseph du Petit-Lait, dans une traduction très littérale, Schotte étant un synonyme de Molke, le Petit-Lait, et Sepp, un diminutif de Joseph. Aubergiste et éleveur de son vrai nom Anton Joseph Inauen, le Schottensepp trayait ses chèvres le soir sur l'Alpe et apportait à l'aube le petit lait encore chaud aux hôtes de l'établissement des bains de Geis dans le canton d'Appenzell. Les hôtes l'utilisaient pour guérir toutes sortes de maux. Ces cures seront recommandées par le guide du voyageur en Suisse de Gottfried Ebel, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui paraît en 1793 et qui connaît un nombre innombrable de rééditions. Ebel consacre un passage à justifier la thèse selon laquelle le voyage en Suisse renforce particulièrement la santé. Et un autre a démontré qu'il favorise également la santé morale. L'expérience sensible du monde alpestre idéalisé culmine dans la fête des bergers des Alpes. Celle de Dunspunnen, au-dessus d'Interlaken, que vous voyez ici dans un célèbre tableau d'Elisabeth Louise Vigée Lebrun, devenu célèbre autant par la présence de tout le Gotha européen, et assurément il y avait une plus grande présence du Gotha que des bergers. Cette fête d'Unspunnen a été rendue fameuse dans toute l'Europe grâce à toutes sortes de descriptions d'auteurs célèbre, dont Madame de Staël, dont de l'Allemagne. Cette fête a les traits d'une, si vous me permettez l'expression, d'une opération touristique. D'ailleurs, la manifestation avait été annoncée dans le journal Le Moniteur Universel, une première. Une opération d'ailleurs réussie, puisqu'il y avait deux hôtels qui pouvaient accueillir des étrangers à l'époque, et que, 40 ans plus tard, ils étaient au nombre de 12. Loin d'être d'origine paysanne, cette fête, qui comprenait cortège, concours de chant, tir, lutte, jet de pierre et corps des Alpes, avait été organisée par les autorités bernoises.
Elle visait, à vrai dire, un objectif hautement politique, celui d'œuvrer à la réconciliation entre ville et campagne, qui était en conflit ouvert depuis la fin de la période révolutionnaire, depuis la fin de la République helvétique, fin qui avait redonné le pouvoir aux patriciens. Et sur ce plan, les autorités n'eurent aucun succès. Ceci dit, l'image de cette Suisse qui tresse sa vache et vit paisiblement, une Suisse sortie de l'histoire qui refuse les échanges, immuable, sédentaire, fut elle vouée à un certain succès, pour ne pas dire un succès certain. Je ne voudrais pas développer ici les incidences touristiques ou politiques ultérieures de cette image, mais relever en passant que l'historiographie helvétique elle-même n'en est pas sortie totalement indemne. Pour le dire de façon un peu schématique, mais pas trop tout de même, je l'espère, les histoires de la Suisse, rédigées avant le dernier tiers du XXe siècle, ont construit le devenir national pleinement en deçà et non au-delà des Alpes. Le Sonderfall, le cas jugé particulier de la Suisse, faisait de ce pays une île en Europe qui atteignait par paliers successifs le statut d'une confédération malgré les secousses intérieures. Et ce, sans qu'aucun rapport ne soit établi entre cette évolution et l'évolution des pays voisins, entre cette évolution et les liens de Suisse avec l'étranger et les relais qu'ils auraient pu y trouver. Rétrospectivement, on serait tenté de dire que l'histoire nationale a incontestablement souffert du syndrome du vase clos. Des concepts aussi forts que celui de neutralité qui ont marqué cette histoire ne sont pas étrangers à ce résultat. Et bien sûr, tout ceci n'est pas resté sans conséquence non plus sur la perception publique de cette histoire. Le grand voyageur et penseur du voyage qu'était Nicolas Bouvier s'en irritait encore à la fin du XXe siècle. Il dénonçait l'image prévalente d'une Suisse assise, rassie, prudente, laborieuse, parcimonieuse, sédentaire. Et Bouvier allait jusqu'à l'hypothèse un peu provocante que tout au contraire, la Suisse était la nation la plus nomade d'Europe. Est-ce le cas? Sans aller jusqu'à l'hypothèse du nomadisme généralisé, je dirais que l'image de la Suisse alpestre et immuable, qui a viré au stéréotype à mesure qu'elle s'éloignait de son contexte de production, les Lumières, gagne à être confrontée à la lecture des égo-documents. Quand bien même c'est une documentation fragmentaire qui est vouée aux aléas de la politique de conservation, la conservation au sein des familles, mais aussi la conservation au sein des institutions patrimoniales, une archive en quelque sorte sous menace perpétuelle. Bien sûr, ces écrits personnels ne sont pas à lire comme des documentaires. Il faut même résister, et c'est parfois difficile, à la fascination qu'exerce le témoin, à ce qu'on peut qualifier d'effet de vérité du témoignage. Ce que nous pouvons lire dans ces textes, en les contextualisant bien sûr, c'est au mieux un réagencement de l'expérience de l'étranger, filtré par la mémoire, une expérience digérée en quelque sorte, et surtout revécu une seconde fois par l'écriture. J'ai fait, dans un réservoir infini et de façon extrêmement subjective, un choix de quelques scripteurs et scriptrices nomades, ou pour le moins itinérants, à divers titres qui illustreront mon propos et qui, en faisant entre autres ressurgir la Suisse citadine et nobiliaire, permettent de remettre en cause l'image d'une Suisse paysanne et sédentaire. Prenons pour commencer
les mémoires de Jean-Samuel Guizan, qui ont été récemment éditées par Olivier Pavillon et un collectif d'auteurs dans la très belle collection Ethnodoc. Mémoires contenant la vie ou l'histoire de J.S. pour Jean-Samuel Guizan, ci-devant capitaine d'infanterie, ingénieur hydraulique, chevalier du mérite au service de France, écrit par lui-même 1797. Écrit à l'âge de 57 ans, soit 6 ans après son retour au pays, et quelques années seulement avant sa mort, ses mémoires tissent des liens entre la petite bourgade d'Avenches, en Suisse romande, et la Guyane française, entre la Suisse et l'histoire coloniale. Est-ce la vie ou l'histoire de Jean-Samuel Guizan, comme le scripteur lui-même le suggère dans son titre? C'est l'histoire, bien sûr, l'histoire au sens de narration. Un récit fortement rétrospectif dans lequel le Suisse construit le sens à donner à sa trajectoire. C'est un récit alimenté par le souvenir d'un parcours qui se veut édifiant. Guizan l'écrit pour ses enfants, qui sont extrêmement jeunes, l'aîné à 3 ans et le second 1 année, parce que Guizan, qui a perdu sa première femme française en Guyane, s'est remarié peu après son retour. Et le scripteur, ce qui renforce le caractère édifiant de ce texte, le scripteur n'a pas l'espoir, comme il le souligne, de pouvoir conseiller ses deux fils quand ils auront atteint l'âge de raison. Alors d'un côté, ses mémoires, c'est l'histoire d'une réussite, une belle et grande carrière, selon la formule de Guizan, qui précise aussitôt « si vous considérez le point d'où je suis parti ». Issu d'une famille bourgeoise appauvrie, Guizan a rejoint son oncle, planteur au Suriname hollandais, pour la Compagnie hollandaise des Indes orientales, en 1769, à l'âge de 29 ans. Il travaille pour lui et pour les autorités coloniales avant de gagner la Guyane française. Et là, protégé par le ministre de la Marine, Antoine de Sartines, Guizan développe la culture des terres basses et marécageuses par le système des polders qu'il reprend des Hollandais et qu'il a d'ailleurs pu observer au Suriname. À son retour en Suisse, 22 ans plus tard, Jean-Samuel Guizan prend place parmi les notables en participant à l'administration de la ville d'Avenches, dont il s'occupe en particulier, et ça c'est un savoir-faire qu'il a ramené de Guyane, où il était un spécialiste de la cartographie. Il s'occupe donc de cartographier une partie du territoire communal. Comme c'est très fréquent chez les scripteurs qui prennent la plume dans la dernière partie de leur vie, Guizan accorde beaucoup d'importance à ses jeunes années. Il détaille ses projets, systématiquement contrecarrés par ses parents, dans un contexte familial d'appauvrissement. Alors qu'il voulait faire des études, son père le voue à l'état de charpentier. Ça n'empêche pas le jeune homme de prendre des leçons, à ses frais d'ailleurs, mais s'avère impuissant à faire fléchir ses parents. Il y a dans la description de son milieu d'origine, incapable de résister aux pressions d'autres membres de la famille, incapable aussi de gérer correctement son bien, une critique de manque de discernement, voire d'obscurantisme, qui n'est pas sans rappeler la noirceur avec laquelle un Jameret Duval, si bien étudié par Jean-Marie Goulemot, le berger devenu bibliothécaire du duc de Lorraine, condamnait le village et le milieu qu'il avait vu naître. Un prix à payer d'une certaine façon pour marquer la rupture et le passage dans un autre monde. Les mémoires de Guizan sont, je l'ai dit, l'histoire d'une réussite. Elle se lit dans l'approbation des personnages importants qu'il a l'occasion de rencontrer et dont il fait des portraits élogieux. Sartines, Malouet, Paumy d'Argenson, d'autres encore. Si ses mémoires attestent d'une réussite, celle-ci est relatée, et bien sûr c'est ce qui donne son intensité dramatique au récit, comme une successive traversée d'obstacles. La nature hostile, Guizan passe une quarantaine de jours les pieds entièrement dans l'eau, dans ces marécages qu'il tente d'assécher,
Il fait aussi tirer en vain plusieurs salves sur un crocodile qui s'approche, ne sachant pas, il apprendra plus tard, que l'animal n'est vulnérable qu'en un seul point. Il y a les tempêtes, il y a de très lourdes difficultés administratives, il y a les cabales, la jalousie des colons, la maladie et l'amour. Ces mémoires sont aussi l'occasion pour Guizan de réaffirmer son identité religieuse. Au cinquième jour d'une fièvre infectieuse que Guizan relate en soulignant son mépris absolu de la mort, le médecin qui voit son état empirer lui parle en tête à tête. Il me dit, écrit Guizan, que si j'avais quelques dispositions à faire, il me conseillait de ne pas renvoyer plus tard qu'au lendemain. J'entends, lui dis-je, mais gardez-vous bien de m'envoyer ici un prêtre, car je vous déclare que je suis un de ces diables huguenots qui n'entendent ni plaisanterie ni raison avec la prêtraille. Ceci dit, Guizan semble s'être adapté sans difficulté à son nouveau milieu, comme à son rôle de planteur du reste. Tout orienté vers la description de ses projets d'assèchement des terres et les moyens mis en œuvre pour y intéresser le gouvernement français, il consacre peu de lignes aux esclaves. Il s'arrête tout au plus sur la fête que font en son honneur, et puis aussi les larmes que versent toujours à son honneur les Noirs au moment de son départ du Suriname pour Cayenne. De même que sur leur refus de manger la nourriture sèche qui est de rigueur lors du travail dans les marais. Soit, puisque toutes les viandes ont dû être consommées au plus vite, car elles pourrissaient, du biscuit moisi, du fromage et de l'eau de vie. Quelques châtiments faits à ce propos, écrit Guizan, les réflexions justes que je leur faisais faire et une grande fermeté furent ce qui me les fit maîtriser jusqu'à la fin. S'il a remis en question l'esclavage, c'est une hypothèse des éditeurs de ses mémoires, c'est tout à la fin de son séjour en Cayenne, et encore, on n'en est pas sûr, un texte qu'il aurait rédigé sur la question a vraisemblablement disparu dans le naufrage qui marque le retour de Guizan en Suisse. Ce retour, Guizan y a songé, écrit-il, quelques années avant d'être contraint à rentrer. Ses considérations à ce propos, toutes empreintes de recul qu'elles soient, n'en sont pas moins intéressantes. Je cite « Il y avait déjà longtemps que divers événements m'avaient fait juger qu'il arriverait peut-être une époque où ma mission se réduirait à peu de choses par quelques grandes circonstances. Ces réflexions me firent plusieurs fois naître le désir de me retirer du service et de passer en Europe avec ce que j'aurais pu rassembler de ma fortune. Je n'ai été retenu que par cette considération qu'ayant des parents pauvres, desquels je n'avais pu encore m'occuper, puisque je m'étais jusqu'alors oublié moi-même, il était bien cruel de se retirer avec une fortune assez grande pour me mettre dans l'aisance, mais qui n'était pas assez grande pour pouvoir être partagée avec eux. Ma sensibilité l'emportant sur toute autre considération, je me déterminai à rester encore quelques années, 3 années au plus, afin de leur sacrifier les épargnes que ce temps m'aurait mis à portée de faire. » Une planification, on ne peut plus mûrement réfléchie de la part de Guizan, une planification qui ne pourra être mise à exécution. En fin de compte, c'est la révolution qui chasse les colons, qui obligera Guizan à rentrer moins riche qu'il ne l'avait escompté, mais tout de même apte à faire un bon mariage et à rejoindre les notables de la bourgade d'Avenches. Lui qui, comme il tient à le préciser dans ses mémoires, je cite, « a toujours honoré sa patrie ». La remarque est intéressante, on y lit la tension entre cosmopolitisme et patriotisme, beaucoup discuté dans les milieux d'intellectuels au XVIIIe siècle. Faire le choix de vivre ailleurs, même si être citoyen du monde était en soi connoté positivement, pouvait susciter le reproche de ne pas remplir ses devoirs de citoyen,
auprès de ses proches, auprès de sa communauté. Et au fond, une fois de retour, Guizan, qui s'est extrêmement bien inséré à l'étranger, qui a même songé à s'établir en France à un moment donné, il est très admiratif devant la civilisation française, eh bien Guizan se prémunit de cette critique en affirmant son patriotisme. Pour ce qui est de Jérémie Pausier, contrairement à ce que pourrait faire penser son portrait, ce deuxième scripteur est conduit en Russie par la misère la plus noire. Ces mémoires nous amènent dans un monde que tout républicain qu'ils aient été, les Suisses, soucieux d'ascension sociale ou parfois simplement de survie, semblent avoir particulièrement recherché, celui de la cour. Il est difficile d'imaginer un voyage plus éprouvant, plus terrible que celui qui occupe les premières pages de ses mémoires. Des mémoires que Pausier a rédigées à son retour de Genève après 30 ans en Russie. Jérémie a 11 ans lorsque son père Étienne, réfugié huguenot installé à Genève, l'emmène, lui et son frère, pour tenter de trouver un avenir meilleur auprès d'un frère d'Étienne installé à Saint-Pétersbourg comme chirurgien du tsar Pierre Ier. Le petit groupe est dénué, absolument dénué de tout moyen. Non seulement il effectue tout le parcours à pied, donc de Genève à Saint-Pétersbourg, mais ils doivent, faute de pouvoir se nourrir à trois, laisser le frère de Jérémie à Hambourg, où une maladie du père les a obligés à s'arrêter 6 mois. Quand enfin ils parviennent à Saint-Pétersbourg, c'est pour apprendre que l'oncle de Jérémie est à Moscou. Suite alors à un nouveau voyage pédestre jusqu'à Moscou, extrêmement pénible, ils sont envahis de moustiques qui les empêchent pratiquement d'avancer. Lorsqu'ils y arrivent, c'est un incendie qui vient de ravager Moscou et l'oncle est lui-même réduit à la mendicité. Pausier reviendra rendre visite à sa famille en Suisse quelques années plus tard. Le voyage est bien différent. Pausier voyage confortablement, il s'arrête chez les grossistes en pierres précieuses d'Allemagne et de Bâle pour y faire des achats. C'est qu'entre-temps, le jeune homme, qui a perdu son père peu après son arrivée, son père n'a pas survécu aux affres du voyage, le jeune homme a fait, grâce à son oncle, un apprentissage chez un joaillier de la cour, le français Benoît Gravereau. Mieux encore, il a intéressé la future tsarine Élisabeth, qui était une grande amatrice de bijoux, à ses créations. Les mémoires de Pausier font, eux aussi, et suivant les règles du genre, l'objet d'une importante sélection d'informations. Ce sont les étapes principales du parcours et de la vie du joaillier à la cour qu'il retrace. Donc, des pans entiers de sa vie n'y apparaissent pas. Des pans qui nous auraient beaucoup intéressés, tels sa vie familiale ou sociale. Par contre, ce que l'on pourrait qualifier de stratégie personnelle d'adaptation à un milieu de cour où les faveurs se redéfinissent en permanence est au cœur du récit. Comment rester en faveur? Comment faire avancer ses propres affaires? Comment se défendre contre ses concurrents directs, grecs, arméniens, ou contre ceux qui sont de leur côté, ces fameuses Fräulein, les confidentes de l'impératrice que Pausier apprend patiemment à contourner? Toutes ces questions sont d'autant plus lancinantes pour Pausier qu'il va traverser 4 changements de régime dont il consigne aussi à chaque fois les espoirs qu'ils ont suscités et les craintes qui les ont accompagnés aussi. Pausier consigne scrupuleusement le nom de ses protecteurs, tels les ministres Chouvalov ou Vorontsov, sans lesquels il est impossible d'être bien en cour.
Nulle trace, me semble-t-il, chez Posier d'un quelconque mal du pays, mais le souvenir d'une fatigue grandissante. Il est vrai qu'il pouvait être appelé à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. La tsarine Elisabeth, en particulier, veillait très souvent, toute la nuit. Et puis la tâche est lourde, Posier ne parvient pas à fonder une association avec un joaillier suisse qui l'aurait déchargé un peu. Il est bon joaillier, mais un peu moins bon comptable. Il dit avoir eu beaucoup de peine dans l'exercice de la comptabilité pour laquelle il a dû chercher de l'aide. Non pas parmi les Russes d'ailleurs, mais auprès du pasteur de la paroisse réformée de Saint-Pétersbourg, un Alsacien. À l'époque où a été réalisé son portrait, Posier vient de créer la couronne du couronnement de Catherine II. Catherine II qui en a fait son joaillier personnel. Il peut sembler surprenant qu'il songe alors précisément à quitter la Russie. Les mémoires relatent que Posier était alors fortement endetté auprès de ses fournisseurs de pierre en Hollande, en Allemagne, qu'il n'avait pas espoir de récupérer ce qui lui était dû par les membres, par toute une série de membres de la cour qui achetaient à crédit. Son départ de Russie ressemble dès lors à une fuite, mais une fuite soigneusement préparée. Posier reçoit d'abord l'assurance d'amis genevois de passage à Moscou que ses économies lui permettront de subsister à Genève avec sa femme et ses 5 enfants. Ensuite, il remet son atelier et son mobilier, qu'il ne peut prendre avec sans attirer l'attention, à ses 2 commissionnaires. Il fait partir sa femme et ses 5 enfants avant lui. Et finalement, il réussit à obtenir un passeport le 4 janvier 1764, en laissant croire à la cour qu'il n'allait dans son pays que pour y rétablir sa santé ébranlée, et donc qu'il reviendrait bientôt. Une fois qu'il a rejoint sa femme et sa famille, Posier prend la direction de la Prusse, à l'aide d'un diamant, comme il le précise dans ses mémoires. Il écrit sur une vitre de la première auberge où il loge. Après 30 ans de larmes et de travaux, je vais chercher un lieu où je puisse en repos prier l'être suprême d'y adoucir mes maux. 2 mois plus tard, en mars 1764, il est à Genève. Notre troisième scripteur, Frédéric César de l'Arpe, contrairement aux 2 précédents, ne quitte pas la Suisse par nécessité matérielle. Cet avocat de 28 ans, il est un peu plus âgé sur ce portrait, il a bien 20 ans de plus, originaire des bords du Léman, de la petite ville de Rolles, n'est pas issu d'une famille qu'on pourrait dire véritablement riche, mais aisé, honorable. Son père, capitaine au service étranger, est membre du conseil de la ville. L'Arpe est connu, et on a beaucoup parlé de lui l'an passé et cette année, avec les commémorations de la fin de l'Empire napoléonien et du Congrès de Vienne. Il est connu pour avoir été, pendant une 12aine d'années, le précepteur du petit-fils de Catherine II, le grand-duc Alexandre, futur tsar Alexandre Ier. L'empereur qui vainquit Napoléon, pour reprendre le titre du dernier ouvrage que lui a consacré Marie-Pierre Ré. L'Arpe a laissé une abondante masse d'écrits personnels, parmi lesquels sa correspondance avec Alexandre, qui a été éditée dans les années 1980 par Jean-Charles Biaudet et Françoise Nicot, et dont mon collègue André Andreev de l'université Lomonosov de Moscou et moi-même faisons actuellement une édition russe. Cette correspondance, qui a souvent des aspects extrêmement informels, qui passe aussi par le biais, qui passe de personne à personne, parce qu'il est bien trop dangereux de la confier au poste, cette correspondance avec le tsar, mais aussi la correspondance que l'Arpe a entretenue avec ses amis restés en Suisse, reflète les très hautes attentes qu'avait l'Arpe
qui s'était fixé l'objectif de former un monarque éclairé. On y lit par exemple tout le programme de lecture que la harpe s'impose, parce qu'au fond on ne naît pas précepteur mais on le devient. Et la harpe se fait recommander par un ancien mentor de la ville de Rolle, le juriste Favre, des lectures, les grands classiques. Il suffit de lire Locke, lui répète très souvent Favre, mais il ajoute aussi à cette liste Madame de Genlis et quelques autres auteurs. L'harpe lit énormément. L'harpe, dans sa correspondance, montre aussi finalement que c'est un projet politique que cette éducation du prince. La correspondance nous montre aussi des pratiques d'écriture. Et une pratique d'écriture que la harpe va insuffler à son élève, c'est la pratique de l'écriture éducative. Une technique encouragée par les pédagogues philanthropinistes qui a été très bien étudiée pour la Suisse romande par Sylvie Moret-Petrini. En quoi consiste-t-elle ? Eh bien, c'est très simple. Alexandre, à chaque erreur commise, à chaque faute de comportement, est amené à rédiger un petit billet à l'intention de son précepteur. Billet que, très souvent, son précepteur me semble lui dicter. Je ne vous en lis qu'un de ces très nombreux petits billets qu'Alexandre rédige entre l'âge de 7 et 17 ans. Des billets qui sont aujourd'hui conservés dans les archives russes. Moi, sous-signé, ça c'est un billet qu'il écrit alors qu'il avait 13 ans. Moi, sous-signé, ai menti pour couvrir ma paresse et me tirer d'affaire en prétendant n'avoir pas eu un moment pour exécuter ce qui m'était prescrit depuis 2 jours, tandis que mon frère a exécuté les mêmes choses et dans le même intervalle de temps. Par contre, j'ai bagnaudé, bavardé et me suis conduit depuis le commencement de la semaine en homme destitué d'émulation, insensible à la honte et aux reproches. Et la phrase la plus révélatrice de la vision aussi politique que l'art cherche à insuffler à son élève, je me console au reste en étant persuadé que j'en saurai toujours autant que les hommes de ma condition, que je ne voudrais pas offenser en acquérant trop de connaissances. Une dernière phrase qui trahit l'éducateur républicain, qui insuffle, on s'en apercevra encore par la suite, un certain nombre de principes républicains et libéraux à son élève. Mais les écrits personnels de l'harpe ne traduisent pas seulement ses ambitions pédagogiques, elles thématisent aussi des aspects beaucoup plus concrets, voire parfois tout à fait terre-à-terre, de ce métier de précepteur. Un métier dont on voit aussi qu'il s'impose à lui, au fond, plutôt qu'il ne le choisit. En réalité, l'harpe, lorsqu'il a commencé à songer à des projets d'émigration, voulait partir pour l'Angleterre. Comme pour beaucoup d'esprits éclairés de l'époque, c'est le pays des libertés politiques. Mais par le fruit d'un hasard, un ancien ami qui a déjà commencé une carrière militaire à Saint-Pétersbourg et qui jouit de la protection de Catherine II, l'harpe se voit confier le mentorat du fils du favori de Catherine II qui l'accompagne dans un voyage d'études en Italie. Et c'est grâce à cela qu'il arrive à Saint-Pétersbourg pour raccompagner ses élèves. La correspondance contient des passages tout à fait intéressants qui nous font entrer dans toutes les hésitations, dans les incertitudes de trajectoire qui rétrospectivement nous semblent très souvent décidées d'avance, linéaires et ne pouvant mener qu'à un seul but. On voit notamment que l'harpe songe à un emploi politique qu'il espère beaucoup pouvoir revêtir des charges politiques ou diplomatiques à la cour de Russie, qu'il espère beaucoup ne pas devoir avoir une fonction militaire, mais il n'écarte pas ce scénario non plus. Et finalement, c'est le préceptorat.
Là aussi, beaucoup d'éléments de coulisses dans la correspondance. Lorsque la Harpe a ramené ses élèves, donc nous sommes début 1783, il est remercié très chaleureusement pour ses bons services et le favori de Catherine II lui fait comprendre qu'il va certainement recevoir une offre pour être engagé à la cour. Mais il va s'écouler plus d'une année pendant laquelle la Harpe ne sait absolument pas quel sort l'attend. Au point qu'en fin de compte, il fait ses bagages et c'est lorsqu'il s'apprête à partir pour l'Angleterre que la proposition d'enseigner le français à Alexandre et à son frère Constantin l'arrête. Enseigner le français au grand-duc, c'était intéressant, mais ce n'était pas suffisant pour la Harpe, qui va mettre tous ses efforts pour élargir ce cahier des charges. Il rédige un mémoire détaillé sur l'éducation des grands-ducs, dans lequel il énumère toutes les disciplines qu'il faudrait leur enseigner pour en faire des monarques éclairés. Et Catherine II, qui est à ce moment-là tout à fait dans cette démarche aussi, qui se présente comme une souveraine éclairée, qui se pique d'éducation, approuve ce mémoire et confie dès lors un enseignement beaucoup plus large à Frédéric César de la Harpe. Français, littérature ancienne et moderne, histoire, qui est la branche phare de la Harpe, géographie et puis aussi les débuts du droit naturel et de la philosophie. La Harpe insuffle à son élève une culture cosmopolite. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un coup d'œil au conseil de lecture qu'il lui donne. Il lui laisse des listes d'ouvrages, très très longues listes, des ouvrages récents qui comprennent aussi des périodiques d'ailleurs. Ouvrages dont les auteurs sont français, allemands, mais aussi britanniques, italiens, espagnols, et j'en passe. Mais, et vous verrez que je ne perds pas tout à fait le fil rouge de mon exposé, le précepteur s'est aussi fait le véhicule de l'image idéalisée de la Suisse. Il a transmis à son élève aussi l'essence des légendes de libération de la Suisse. L'histoire de la formation de la Confédération. Aussi, n'est-on pas surpris que lors de ses passages de quelques jours en Suisse, en 1814 et en 1815, le tsar est tenu d'une part à rendre hommage à Salomon Gessner, l'auteur d'idylles qui ont beaucoup contribué à la diffusion du mythe suisse et dont le parc ornait, dont le buste, pardon, ornait un parc zurichois. Lors de cette visite éclair, Alexandre se rend aussi dans la demeure d'un paysan suisse. C'est un épisode qui sera abondamment relayé, enfin c'est une gravure que l'on trouve dans nombre de gazettes de l'espace germanophone. À vrai dire, cette gravure atteste de deux faits simultanément, d'une part de l'influence du précepteur sur son élève, mais aussi d'une forme de campagne de publicité personnelle du tsar qui, en 1814, justement en tant que grand vainqueur de Napoléon, veillait très attentivement à sa réputation de souverain libéral proche du peuple. C'est à cette époque, précisément, qu'Alexandre répète en diverses occasions publiques « Tout ce que je suis, c'est à un Suisse que je le dois ». Bien connu à l'époque déjà, pour les raisons que je viens d'indiquer, Frédéric César de la Harpe est un peu aussi l'arbre qui cache la forêt. Soit les innombrables précepteurs que la Suisse a fournis aux quatre coins du globe. Des précepteurs qui ont parfois maintenu des liens durables avec leurs élèves qui ont fait le voyage en Suisse, qui ont aussi cherché des éducateurs pour leurs enfants, etc. Il y a, et nous sommes en train de travailler là-dessus, des filiations entre échanges de ce type-là qui relient grosso modo la période de la Réforme jusqu'à celle des Lumières. Précepteur, mais aussi gouvernante.
et c'est un desiderata de recherche d'ailleurs très actuel, que de faire émerger cette profession féminine. Une profession trop longtemps associée au domaine du privé. Les gouvernantes seraient en quelque sorte des éducatrices naturelles en tant que femmes et mères potentielles. Qu'il s'agisse d'une véritable profession au XVIIIe siècle, qu'elle ait intéressé nombre de femmes de Suisse romande, en particulier dès la seconde moitié du siècle, trouve une confirmation indirecte ou pour le moins indicielle dans une publication telle que ces quelques avis aux institutrices de jeunes demoiselles. Sur les différents objets qui influent essentiellement sur leur bonheur et leur succès, et sur les études auxquelles elles doivent se livrer. C'est un amateur de lettres, un pharmacien, descendant d'une famille réfugiée huguenote, Jean Lanterre, qui a rédigé ce véritable guide pour les gouvernantes et les préceptrices, appelons-les comme elles doivent l'être, un guide qui doit répondre aux problèmes qui se posent à elles, des problèmes d'ordre de connaissance, des problèmes d'ordre pédagogique, quelle discipline utiliser par exemple, des problèmes aussi qui touchent à leurs relations avec leurs élèves, mais pas seulement aussi avec leurs parents. Tous ces problèmes sont évoqués dans cet ouvrage qui n'existerait pas s'il n'y avait pas une demande et qui donc indirectement conforte cette thèse de l'existence d'un marché éducatif pour les Suisses romandes. Des Suisses romandes qu'on apprécie parce qu'elles savent le français dans une Europe où le français est une langue, la langue de culture. Vous avez ici sous les yeux le nom d'une trentaine de gouvernantes romandes qui ont travaillé à l'étranger entre 1770 et 1810. Je dois dire tout de suite que c'est une pointe de l'iceberg, que ces gouvernantes nous sont connues aléatoirement, c'est-à-dire soit par les écrits qu'elles ont rédigés ou par ceux qui les mentionnent. J'espère bien augmenter encore considérablement cette liste. En vert, vous voyez les gouvernantes parties pour les principautés allemandes, en violet celles qui ont été aux Pays-Bas, et en orange celles qui sont parties précisément en Russie. L'une d'entre elles, ce n'est pas la seule, mais c'est une gouvernante sur laquelle nous travaillons actuellement et qui a déjà donné lieu à deux mémoires de master, Jeanne Hugues Mazelet, a laissé des archives personnelles très riches, contenant de la correspondance, des journaux, mais aussi des petits billets rédigés par son impériale élève, Marie Pavlovna, une des sœurs du futur Alexandre Ier. Je peux vous montrer un de ces petits billets, pas forcément extrêmement lisible. C'est un petit billet dans lequel l'élève remercie Jeanne Hugues Mazelet d'avoir eu la bonté de lui écrire. Donc elle communique, même qu'elle se voit tout le temps, elle communique régulièrement par écrit, et dans lequel elle lui fait part de son intérêt pour un best-seller de la littérature de voyage de l'époque, Le Voyageur français. Voyageur français qui intéresse beaucoup Marie, et dont elle précise, et c'est la phrase que vous voyez encadrée ici, qu'elle aimerait bien que ce voyageur français, qui a été dans toutes sortes de pays, aille aussi en Suisse et en Russie. Un lien sympathique introduit entre deux pays de référence de la Grande-Duchesse, le sien et celui de sa gouvernante. Jeanne Hugues Mazelet a été engagée en 1790 à la cour de Catherine II comme gouvernante. Sa correspondance la montre comme déterminée au départ, alors que d'autres correspondances de gouvernantes nous les montrent en train d'hésiter extrêmement longuement. Ce n'est d'ailleurs pas tant
la décision de partir à l'étranger qui les fait hésiter, ce qui est un indice du fait que ce scénario n'a rien d'inhabituel, que le fait de savoir s'il faut ou non quitter ses parents pour, selon la formule de l'époque, aller en place. Jeanne a ce que l'on pourrait appeler un plan de carrière, dont elle s'est ouverte à son frère, qui est son confident. Je voudrais bien être riche et indépendante, ou plutôt riche, avec cela, je trouverai l'indépendance. La grande duchesse Marie n'a pas encore 11 ans quand sa gouvernante suisse lui fait découvrir les mémoires de Brandebourg, écrits par, dit-elle, un roi philosophe, Frédéric II. Des mémoires qu'elle lit sous forme d'extraits et qu'elle discute avec elle alors que la fillette se fait coiffer par son perruquier. Sa Majesté impériale a une connaissance générale de l'histoire très distincte, se félicite Jeanne Mazelet auprès de son frère, en précisant qu'elles ont aussi lu ensemble l'histoire de Charles XII de Voltaire, qui est si bien écrit. Jeanne a une incontestable ambition. Cette ambition, ambition sociale, ambition intellectuelle aussi, elle se lance aussi dans la lecture de l'Émile, qu'elle trouve d'ailleurs assez difficile. Cette ambition ne l'empêche pas de devoir son entrée dans ce monde cosmopolite de la cour à la tant vantée simplicité suisse. Je m'explique. Au moment d'engager des gouvernantes pour les grandes duchesses, sœurs d'Alexandre, Catherine II s'est tournée vers la harpe. Elle a fait demander aux Suisses de s'occuper de trouver des gouvernantes suisses pour ses petites filles en précisant qu'elle les souhaitait bien nées, ayant reçu une bonne éducation, de l'usage du monde et parlant bien leur langue, assez cultivée pour leur tenir compagnie et leur faire la conversation. Mais lorsque, comme nous l'apprend un autre journal de gouvernante, celui de Dorothée Linhart, lorsque la harpe proposa des demoiselles de Lausanne, qui avaient déjà élevé des princesses en Allemagne, l'impératrice déclara que ce n'était pas du tout ce qu'elle voulait. Elle voulait simplement, je cite, « de bonnes filles qui n'eussent point vu de princesses et qui eussent toute la simplicité de leur patrie. » Et c'est ainsi que la harpe recruta Jeanne Hugues Mazelet et une autre vaudoise, Esther Monod. Avant leur arrivée à Saint-Pétersbourg, l'harpe prit d'ailleurs soin de leur rappeler comment se comporter en Suissesse. Il ne s'agit point de briller. Je ne saurais même trop recommander à ces dames la simplicité dans leurs ajustements, vu qu'on s'est décidé pour des Suissesses, dans la persuasion qu'elles auraient plus de simplicité, plus de fermeté et moins de souplesse que d'autres. Ainsi, les écrits personnels ne nous mettent pas seulement sur la piste de Suisses qui ont tourné le dos aux Alpes, ils font parfois écho aux représentations idéalisées de la Suisse, représentations que ces mêmes Suisses contribuent à entretenir. Parfois, les écrits personnels sont le seul signe tangible que nous avons de l'existence d'un individu. Leur écrit sort, quelques scripteurs et scriptrices, de l'anonymat. C'est le cas des mémoires de voyage de Jean-Jacob Salchli, capitaine au régiment de Royal Bavière, au service de Sa Majesté très chrétienne, Louis XIV et Louis XV, roi de France et de Navarre, en 1702 et suivante. C'est un scripteur dont on ne sait rien, hormis qu'il est né en 1671 et mort en 1746 dans la petite bourgade romande d'Orbe, et qu'il était petit-fils et fils de chirurgien, chirurgien lui-même. Le texte qui nous fait découvrir son existence a ceci d'intéressant que c'est à la fois un journal de campagne et un journal de voyage. Il montre donc qu'on peut être
à la fois un militaire en pleine action et un voyageur curieux. Ceci dans un espace géographique qui va de la France à l'Espagne, en passant par, par la Flandre, et qui s'étend sur une durée d'une quinzaine d'années, ponctuée par quelques brefs congés au pays. Côté journal de campagne, Salhli relate régulièrement, et sans état d'âme d'ailleurs, ses interventions à la tête des grenadiers pour assiéger des villes. Par exemple, celle qui avait pris le parti de l'archiduc Charles d'Autriche contre le Bourbon Philippe d'Anjou pendant la guerre de succession d'Espagne. À propos du siège de la ville d'Ejea, par exemple, la ville la plus importante d'Aragon, Salhli note « J'ai entré le premier avec des grenadiers par brèche que nous fîmes à la muraille. J'essuyais plus de 50 coups de fusil sans être touché. D'abord, j'appelai mes grenadiers, et quand on nous vit dedans, tout le reste nous suivit, ce qui fit que tout ce qui se rencoucha dans les maisons et par les rues fut passé au fil de l'épée. On eut à peine sauvé même ceux qui étaient dans les églises. La ville fut pillée entièrement, et en la quittant, l'on mit le feu partout. » Mais le journal mérite d'un autre côté son titre de journal de voyage, car de tous les lieux que le scripteur traverse, il tient d'ailleurs un compte très exact des distances parcourues, il compte le nombre de lieux, et même des bourgades qu'il assiège, il fait le relevé des monuments historiques et des curiosités. Des arcades et maisons madrilènes aux arènes de Nîmes, en passant par des raretés, comme il les appelle, telles que les grottes bruxelloises, les jardins et jets d'eau génois, la liste, qui est également riche en édifices religieux, est interminable. Elle trace un parcours typique du voyage de curiosité du XVIIIe siècle. Celui, toutefois, d'un habitant d'une petite bourgade protestante, qui signale d'ailleurs la présence de co-religionnaires dans le sud de la France. Un habitant d'une petite bourgade que les grandes villes émerveillent. Sous sa plume, plus habile à décrire les mouvements de troupes que sa fascination pour la richesse du patrimoine bâti, Anvers est une des plus belles villes des Flandres. Lille, la plus belle ville de la Flandre wallonne. Gênes, une des plus belles villes que l'on puisse voir. Et Madrid, une des plus belles villes que j'ai jamais vues, avec sa Plaza Mayor, que Salhli décrit comme la plus belle place qu'il y ait au monde. Paris, dont il visite Versailles et le Louvre, est quant à elle la plus belle ville qui se voit. On pourrait établir des parallèles entre Jean-Jacques Salhli et un autre scripteur auquel le mercenariat fournit l'occasion de tourner le dos aux Alpes. Ce scripteur s'appelle Ulrich Brecker. À vrai dire, c'est à son corps défendant qu'il se retrouvera en Prusse, enrôlé dans l'armée de Frédéric II. Petit paysan, né dans une famille pauvre du Toggenburg, dans l'est de la Suisse, Brecker est journalier, fabricant de salpêtre, quand il part avec la bénédiction de son père pour Schaffhouse, où il croit être engagé comme page d'un noble, avant de comprendre qu'il a été recruté à son insu pour l'armée prussienne engagée dans la guerre de 7 ans. Brecker en désertera à la première occasion, comme il le relate dans son autobiographie. Une autobiographie qui le rendra célèbre dans toute l'Europe éclairée, parce que c'est celle d'un vrai, entre guillemets, d'un vrai fils de la nature, comme l'écrit le pasteur qui se fait remettre le texte par Brecker et qui l'envoie à un éditeur zurichois, Johann Heinrich Füssli. Fortement retravaillé par l'éditeur, l'histoire de la vie du « pauvre homme du Toggenburg », c'est le titre que lui donne l'éditeur, paraît en plusieurs livraisons dans la revue mensuelle Schweizer Museum en 1788-89. Et elle fait l'objet de comptes rendus élogieux jusqu'à Saint-Pétersbourg, sous la plume de Karamzine.
Le paradoxe de ce succès mérite d'être souligné. Nous avons là un texte autobiographique qui thématise la dureté du mercenariat, des temps de crise, les tentatives de Brecker d'améliorer l'ordinaire par le biais de l'industrie textile. Certes, à côté d'autres motifs plus introspectifs sur la religion de Brecker, son rapport à l'écrit ou aux femmes, mais tout de même. Et de cet écrit autobiographique, le seul de tous ceux que j'ai mentionnés jusqu'ici à avoir été publié du vivant de son auteur, l'opinion publique a retenu la simplicité des mœurs paysannes. Le journal de Brecker, que vous voyez ici sur le côté droite de l'image, c'est la page de titre pour l'année 1772. Brecker tient ce journal pendant 30 ans, entre 1668 et 1798. Eh bien, ce journal aura moins de succès. L'éditeur essaye aussi d'en publier des extraits, mais il n'entre plus tout à fait dans la même image alpestre idéalisée. Il est vrai que Brecker y parle beaucoup de questions économiques et aussi des événements chronicaux du temps. Les documents mettent en lumière les circonstances dans lesquelles des Suisses ont tourné le dos à leur pays et plus encore peut-être le sens donné à leur parcours. Ils permettent également, et ce sera le dernier volet dans ma promenade de texte, de faire ressurgir un milieu cosmopolite par excellence que l'idylle alpestre a occulté et que l'historiographie helvétique a mis très longtemps à intégrer, celui de la noblesse. Noblesse et aussi patricia qui s'y est agrégée. Un milieu dans lequel la double résidence est une obligation avec des maisons de campagne comme celle qu'a immortalisée ici le peintre Albrecht Kau dans cette très classique scène de chasse. Le noble vaudois Victor de Gingin s'appliquait au XVIIIe siècle déjà à récuser le préjugé régnant à ce propos. Par une prévention ridicule ou méprisable, ou par une ignorance stupide, on croit communément dans le monde que les Suisses n'ont jamais été qu'un peuple paysan, que la noblesse y était étrangère. Cependant, il est certain qu'il n'y avait point alors en Europe de pays où il s'en trouva davantage. Tout le pays était farci de châteaux forts, habités par la noblesse. Pour nombre d'observateurs du XVIIIe siècle aussi, qui rangeaient la Suisse dans les systèmes démocratiques, il n'existait en effet pas de noblesse dans ce pays. C'est ce qu'on peut lire notamment dans l'article « Noblesse » de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, de la plume du chevalier de Jaucourt. Les démocraties n'ont pas besoin de noblesse. Elles sont même plus tranquilles quand il n'y a pas de famille noble. Car alors, on regarde à la chose proposée et non à celui qui la propose. Ou quand il arrive qu'on y regarde, ce n'est qu'autant qu'il peut être utile pour l'affaire, et non pas pour ses armes et sa généalogie. La République des Suisses, par exemple, se soutient fort bien, malgré la diversité de religions et de cantons, parce que l'utilité, et non pas le respect, fait son lien. Une définition qui montre aussi l'utilisation, l'instrumentalisation de la Suisse idéalisée comme emblème démocratique. Pourtant, elle est bien existante, la noblesse helvétique. Elle n'est numériquement pas plus importante que la noblesse française, mais elle est bien là, la noblesse d'ancien lignage ou anoblie plus récemment par des princes étrangers, puisque les républiques n'anoblissent pas, ou, comme à Fribourg et à Berne, membre d'un patriciat auquel la particule fut même collectivement attribuée par leur conseil souverain au début des années 1780. Donc la classe dirigeante s'y était
anoblie elle-même. Cette noblesse, à l'affût des postes de commandement militaire ou diplomatique, a pratiqué le cavalier's tour, le grand tour aristocratique, au XVIIe siècle déjà. Vous avez sous les yeux une page d'index avec un grand nombre de noms de localités tirés du récit de voyage qu'on réalisait en 1661-1662, en partie ensemble, vers l'âge de 25 ans, quatre patriciens de Soleur, dont Johann Victor Besenval. Ces patriciens étaient soit des familles dirigeantes des Souris ou des Besenval. Et au cours de ce voyage, ils rencontrent, entre autres, l'empereur Léopold à Vienne et visitent le front turc. Leur voyage les mène de Londres à Malte en traversant les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie. Autre exemple, le journal d'Henri de Métral, jeune homme de 17 ans, issu d'une famille noble romande d'ancien lignage et à l'important patrimoine foncier. Vous voyez ici quelques dessins dont le scripteur a orné son journal alors qu'il traversait la Hollande. Il se rendait à Édimbourg où il étudia 2 ans avec son frère Armand, âgé de 15 ans. Ici, Henri de Métral a croqué un étudiant d'Oxford. L'absence d'université en Suisse jusqu'au XIXe siècle a rendu de tels séjours à l'étranger incontournables. Elle explique d'ailleurs l'exode non seulement des étudiants, mais des professeurs et des savants, et les vastes réseaux internationaux que se sont constitués ces Suisses. Le journal de voyage d'Henri de Métral, qui dénote une sensibilité ethnographique, inculqué d'ailleurs au jeune homme par ses parents qui lui demandaient régulièrement de décrire les habitants, fait partie d'un vaste ensemble d'écrits personnels. Le père de Métral a pourvu Henri et son frère d'instructions détaillées avant leur départ, leur rappelant les règles de bienséance, clés de la sociabilité aristocratique avec laquelle ils doivent se familiariser à l'étranger. Le père de Métral le recommande d'ailleurs aussi très chaleureusement le dessin, pas seulement parce que les arts d'agrément font partie de cette éducation aristocratique, mais aussi parce que c'est un excellent remède contre l'oisiveté, le pire de tous les vices. Et le père de Métral était très inquiet de savoir qu'à Édimbourg, il n'y avait pas seulement des bons professeurs, mais beaucoup de pintes, et que les étudiants y buvaient beaucoup. Les fils de Métral rédigent chacun, mais conjointement, une lettre 2 fois par mois. Une lettre de verbiage, plus courte, écrite à la hâte au fil d'une journée, ou bien une longue lettre qui, elle, alors est souvent recopiée à partir d'un brouillon, relue par leur gouverneur. Et dans toutes ces lettres, ils relatent leur emploi du temps et leurs leçons. Ils envoient tous les 3 mois le compte détaillé de leurs dépenses, des informations qui reçoivent en retour l'aval des parents ou des demandes supplémentaires, et qui elles aussi font l'objet de longues lettres. Autant d'écrits qui permettent d'entrer dans les coulisses de l'investissement parental dans ces coûteuses études à l'étranger. Étudier à l'étranger a plusieurs objectifs, mais en a un principal, c'est conforter l'avantage social que procure la noblesse. Se vanter de noblesse est une vanité puérile et déplacée, écrit de Métral père à ses fils. Quand on a des talents, des qualités, des vertus réelles, la noblesse est un simple vernis qui les fait ressortir et les met dans une plus grande évidence. Dans ce cas, c'est sans doute un avantage. On peut observer, en passant, que le modèle éducatif adopté par le père de Métral pour ses fils est en rupture avec l'éducation qu'il a reçue lui-même, lui qui a été envoyé par son père au service étranger en Hollande à l'âge de 16 ans déjà.
Le père d'Henri combat d'ailleurs très vigoureusement l'intention de son fils de suivre son exemple, en s'engageant au service étranger. Une vocation, il faut dire, de plus en plus critiquée en Suisse, à la fin du XVIIIe siècle, en Suisse et à l'étranger aussi, sur le plan moral, mais aussi politique et économique. Il faut, écrit-il à Henri, qu'il tâche de se placer chez quelques princes étrangers pour le servir soit dans sa cour ou comme gouverneur de ses fils, ou bien comme employé dans les dicastères de son pays, soit comme son ministre dans les cours étrangères. Autant de voies qui offrent des opportunités de promotion et de voyage, et par là même d'occasion de continuer à s'instruire en étudiant de l'intérieur et de manière approfondie, je cite, les mystères politiques de l'Europe. En fin de compte, Henri n'étudiera pas ces mystères, il vivra de ses terres tout en faisant une carrière militaire au pays. Il y deviendra lieutenant-colonel. Son frère Armand, par contre, sera à l'origine d'une branche de la famille qui s'établira au Canada et au Paraguay. J'arrête ici ce parcours, je l'espère pas trop indigeste et encore une fois très impressionniste à travers les écrits personnels, pour en venir à quelques réflexions conclusives. Pauvre en terre, pauvre en matières premières, le pays montagneux qu'est la Suisse, dont plus de la moitié de la surface n'est pas habitable parce qu'occupé précisément par les Alpes, aurait pu au XVIIIe siècle être associé à un pays d'émigration. Mais non, la Suisse tresse sa vache et vit paisiblement. Le mythe alpestre, nourri d'utopie politique au XVIIIe siècle, puis tournant en topo, a pris le dessus. J'ai souligné tout au début de mon exposé à quel point l'historiographie suisse elle-même avait été marquée par cette image. Ces dernières années, de nouvelles tendances se font jour dans l'historiographie helvétique, avec des titres tels que « Mitten in Europa », au cœur de l'Europe, « Verflechtungen und Abgrenzungen », un ouvrage signé par André Hollenstein, paru en 2015, ou bien « La Suisse ailleurs », l'ouvrage édité par Brigitte Studer avec un collectif d'auteurs, et on pourrait en mentionner d'autres aussi. Dans un tel renouvellement de perspective, qui questionne le cadre national comme paradigme de recherche, les écrits personnels ont, me semble-t-il, un rôle important à jouer. Il n'est du reste pas question, peut-être faut-il le préciser, de faire une histoire des Suisses de l'étranger et de leur réalisation, un exercice qui est toujours tendance à être trop agéographique, mais d'étudier des connexions, celles par exemple des Suisses dans le commerce triangulaire, dans l'éducation des princes et dans tant d'autres choses, dans tant d'autres champs encore. Et donc, celles d'échanges culturels et matériels, d'influence, d'interactions politiques et sociales. Bien sûr, les égodocuments ont leurs limites. Outre celles que j'ai mentionnées régulièrement, qui tiennent à la sélection des informations, celles qui dérivent des pratiques de l'écrit elles-mêmes. La bonne engagée en Russie, dont on trouve peut-être, et par miracle, le contrat, n'a certainement, du moins vraisemblablement, laissé ni mémoire, ni journal personnel, faute d'éducation à l'écrit, de temps, d'argent. Même si, d'un autre côté, comme l'a pertinemment montré Daniel Fabre, le voyage est un moteur d'écriture aussi pour les couches populaires, auxquelles le déplacement peut offrir un canevas autobiographique en l'absence d'autres modèles. Et puis, soit dit en passant, quelle source est capable de renvoyer à l'ensemble du corps social ? À part peut-être les registres paroissiaux, les registres d'état civil, utilisés et peut-être
épuisée aussi par les historiens démographes qui ont fait tant de travaux intéressants dans les années 80 du XXe siècle. Une autre limite que l'on pourrait évoquer, en lien avec les écrits personnels, c'est une critique qu'on entend souvent formuler à leur égard, c'est qu'il s'agit de cas individuels. Des cas individuels, d'accord, mais non isolés. Et ça me semble une distinction importante. Tout d'abord, l'individu est bien loin d'en constituer le centre. Contrairement à ce que l'étiquette commode, je l'ai dit, pour les échanges internationaux, mais certainement trompeuse à d'autres égards, pourrait faire penser, il y a relativement peu d'ego dans les égaux documents. Et c'est précisément ce qui rend ces sources incontournables pour un renouvellement de la perspective historique, un renouvellement qui accorde davantage d'importance aux acteurs qui n'ont pas laissé de traces mémorables dans la grande histoire avec deux majuscules. Dans une trajectoire ou un fragment de vie individuel, les scripteurs d'écrits personnels se représentent toujours en lien avec leurs proches, qu'ils mentionnent parfois avec une foule de détails, avec leurs connaissances. Ils tissent souvent, au long de leur écrit, les fils de leur réseau familial et social et des événements qui l'affectent. Un scripteur qui circule, qui voyage, renvoie à plus forte raison à plusieurs espaces sociaux. Et puis, comme le relevait Michel Vauvel il y a déjà bien longtemps, prenez un texte autobiographique, il semble unique. Mettez-en 10 l'un à côté de l'autre, ils le seront beaucoup moins. Pour chacun des égaux documents que j'ai mentionnés ce soir, pour chacune de ces trajectoires, on peut trouver en Suisse romande des écrits non pas similaires, mais analogues. Des égaux documents de soldats ou d'officiers au service étranger, de colons, de précepteurs et gouvernantes, d'hommes de lettres et de savants, d'artisans spécialisés, d'artistes aussi. La base de données égaudocuments.ch, si vous me permettez cette seconde de publicité, soutenue par le Fonds national de la recherche scientifique et réalisée grâce à des chercheurs des universités de Bâle et de Lausanne, en recense un certain nombre. Et bien d'autres sont en attente de l'être. Les analogies entre écrits personnels rendent possible leur mise en lien et la constitution de corpus non pas cohérents, bien sûr, puisque la diversité prévaut, mais qui peuvent être réunis par une opération intellectuelle autour d'un questionnement et qui permettent de susciter tout un éventail de possibles. À la question de savoir, par exemple, pourquoi les Suisses partent à l'étranger, ils peuvent apporter tout un lot de réponses dont la diversité amène à la fois à affiner les analyses et à en reformuler les termes. Bien sûr, il y a aussi des textes et des scripteurs plus isolés, même si l'on ne cherche plus aujourd'hui la représentativité des témoignages. Le nier serait aussi nier l'existence de la marge d'exception qui ne confirme pas toujours une règle d'ailleurs, mais qui existe simplement. Antoine-Louis-Henri Paulier est l'un de ces scripteurs que j'appellerais plus isolé. Vous le voyez ici en compagnie de sa dernière femme en 1791. Paulier incarne la marge, dans le cadre de mon propos d'aujourd'hui, par la radicalité de son cosmopolitisme. Paulier, qu'on voit ici sur un tableau de Zoffany, en compagnie d'autres occidentaux,
est parti à l'âge de 17 ans rejoindre son oncle, qui comme Guisan travaillait pour la Compagnie des Indes orientales aux Indes, où il vivra 30 ans. Paulier y travaille comme ingénieur militaire, mais aussi comme négociant, entre autres d'opium, tout en faisant du mécénat artistique. Vous voyez d'ailleurs ici qu'il tient ouvert un petit livre de miniatures qu'il a fait réaliser. Il mène aussi des recherches sur l'histoire et les langues de l'Inde. Il a offert au British Museum la première collection complète de Védas. Paulier, qu'on voit ici représenté par l'un des plus grands peintres indiens, Mir Chand, qui était d'ailleurs un de ses protégés, a adopté le mode vestimentaire, mais aussi alimentaire, et plus encore, le mode de vie de la noblesse du Bengale. Il a eu deux épouses indiennes et quelques enfants d'elles. L'abondante correspondance de Paulier, 2000 lettres pour la seule période 1773-1779 en persan, rédigée sous sa dictée par des secrétaires, une correspondance éditée sous forme résumée et commentée par Muzaffar Alan et Sema Alavi en 2001, cette correspondance est une source inépuisable pour étudier les diverses facettes de ce cosmopolitisme radical et peu fréquent parmi les Suisses romands. Parmi les Suisses romands de l'époque, selon nos connaissances actuelles. Mais son cas révèle tout de même des noms d'autres romans dont il faudra suivre les pistes. En conclusion, et ce sera mon dernier mot cette fois, autant les écrits personnels que j'ai appelés plus isolés que les autres, tous les autres, font de ce matériau documentaire un vaste réservoir de possibles. Et c'est bien cela qui est intéressant en histoire, de mon point de vue, écrire les possibles. Ce qui est possible dans des espaces sociaux donnés qui offrent des ressources tout en imposant des contraintes. Je vous remercie de votre attention.